Pasquier, Carly Dada, Hoche, Santa, Vintan. Et on est folle sur Vintan. Quelle énergie, quel succès! La fin, c'est pas moi. C'est bien la fin, mais c'est juste autant que dans la fin, c'est juste que ça. Asseyez-vous, asseyez-vous, vous allez tomber. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Benoît, quel succès. Vous attendez un succès comme ça? Non, pas du tout, je suis surpris, mais je suis content. Comment vous l'expliquez? Parce que vous étiez quand même pénible dans la maison. Ah bah j'ai rien fait, j'ai pas trouvé de secret, rien. Moi, j'ai juste fait le con et ça m'a permis de gagner deux... Combien déjà? 200 000. Vous allez partager un peu, tous les deux, ou pas l'argent? Bon, on va le claquer, ça c'est sûr. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi avec? Je sais pas. Faire la fête? Vous allez sortir? Non, on a des projets. Ah, voilà. Vous avez des projets avec son argent, c'est bien ça? Non, je finance pas. J'espère avoir quand même quelques producteurs sympas qui vont nous produire sur un truc qui nous plaît, quoi. Voilà. Thomas, vous êtes content d'avoir retrouvé? Ça vous manquait? Oui, je suis très content d'avoir retrouvé ma Brigitte. Et voilà, je suis très content. On se quitte plus, on fait tout ensemble. On fait tout ensemble. Ah, ça y est. Non, pas tout. Tout de suite, la mauvaise. Jean-Marc, vous êtes une dame. C'est là, Morand Dinimane. Voilà, c'est ça. Est-ce que. Je sais pas plus ce que j'ai. Je rentre avec elle. Voilà. Est-ce que le retour à la vraie vie est plutôt agréable? Ah, ouais, c'est jouissif être enfermé pendant 106 jours dans une maison en plastique quand on sort. Avec des gens en plastique aussi? Ouais, des gens en plastique. Ouais, tout en plastique. À la fin, ça faisait plus trop plastique quand même. Ils n'avaient pas beaucoup de cerveau quand même, non, ceux qui étaient avec vous? J'en faisais partie pas aussi. Non, on ne peut pas dire que... Non, vous n'avez pas le sentiment que c'était un peu bas de gamme quand même? C'était un peu mou, ouais, c'était mou du genou là-dedans. Mmh. Moi, je me faisais chier des fois. C'est vrai? Heureusement qu'on était là quand même. Ah oui, bon, vous, l'animation, parce que sinon... Comme monter, ouais, c'était pas mal. Qu'est-ce que vous... Ça a été quoi votre premier truc en sortant? C'est d'aller chercher un mec, d'aller chercher quelqu'un? C'était quoi? Ah ouais, c'est vrai qu'après 3 mois et demi d'abstinence, je me la suis collé derrière l'oreille. C'est vrai que je commençais à avoir la rondelle qui chauffait. Mais j'étais faire la fête avec ma Josiane. Et on est sorti dans un club rejoindre des amis. 3 mois et demi d'abstinence, c'est pas ce qu'on dit. Oui. La dame, elle s'en remet pas derrière. Oh. Je crois que vous avez mis dans un état là, avec votre histoire. Ça... La rondelle. On vous expliquera, madame. Ça veut dire que pour vous, il s'est rien passé sexuellement parlant dans le. J'ai goûté un peu à John, mais c'était pas mon truc. Pourquoi? Bah, je sais pas, il avait le prévu. On va faire une pause de pub, on va les calmer, on va les glacer de froide. On fait une pause de pub. Vous avez pensé faire quelque chose ensemble? Enfin, des choses de sexuel? On n'est pas lesbiennes. Ah, quelle horreur! Mon Dieu. Pourquoi? Qu'est-ce qui. On n'est pas lesbiennes, ça répond à tout. J'ai pas la sauter, moi. J'ai pas me sauter, non? On n'est pas compatibles, chérie. Voilà. On est deux grosses passives. Tu devrais le savoir. On dit que quand appelons un chat un chat. Mais oui, c'est ça. Quand on vit en autarcie comme ça, on a l'impression d'apprendre des choses. Non, pas autarcie, autarcie. En autarcie, c'est quoi ça? Enfermé. Enfermé entre vous, sans lien vis-à-vis de l'extérieur, on dit que finalement, on en apprend beaucoup. Vous n'avez pas peur d'être déçu l'un vis-à-vis de l'autre? Parce que quand on est à l'intérieur, comme vous le dites, c'est en... Non, c'est pas vous qui le dites, c'est Cécile en autarcie. Donc, enfin, vous êtes... Dur ce mot, j'aime pas. Non, c'est un beau mot. Ressortez-le. Sextape. Avec Jonathan. Mais c'est pas la même chose. Nous, on va faire une sextape. Non, mais peut-être pas ensemble. La Josiane pour c'est des choses qui peuvent se passer quand on sort. Attendez, Jean-Marc, je vais faire reset parce que là, je pense qu'ils ont planté. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Ça mieux là? Hein? De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous écoutez ce qu'on vous dit ou pas là? Oui, j'arrive. Bon, donc, ils sont en procès. Parce... Je suis jetlagué, c'est le temps que je redescends. Ça, ouais. Ils sont en procès. Il dit pas non. Qui est la plus vénale? Oh, c'est toi. Non, dès qu'il y a un compte en banque à sucer, t'es là. Hein. Non, mais vénale, c'est pas ça, vénale. Non. C'est quoi, vénale? Il lui dit qui est la plus vénale, bon, c'est toi qui as sucé, ça n'a rien à voir. Non, c'est des comptes en banque. Ah, pardon. C'est ça. Ça suce aussi. Bon, bah alors, oh là là. Quand ça parle de ça, elle est là. Ah, moi, je suis présent. Ah, ouais. D'accord, donc vous allez vous lâcher désormais, maintenant que vous êtes sorti, c'est ça? Voilà, oui, c'est ça. Ah, bah je me suis lâché quand même dedans. Oui. C'est-à-dire? Ah non, on n'a pas le droit de dire, je veux dire. Ah bah oui, il s'est passé quoi? Dites-nous là, il nous reste. Non, il m'est arrivé un petit souci, j'ai fait une éjac nocturne. Non, c'est bon, pardon. Merci beaucoup, merci. Merci.
Merci Benoît, merci Thomas. Merci à vous. Merci. On vous souhaite beaucoup de chance. On se